Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet Tout, comment allez-vous? Écoutez, moi j'ai super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, on va se retrouver avec une arme qui a été bien up et qui fait plaisir parce que cette arme-là a été tellement nerf, qui a été vraiment pas intéressante. Aujourd'hui, on se retrouve concernant la G40 sur Call of Duty Black Ops 3. Je vais tout de suite vous montrer ma classe, bien évidemment, ce sera une petite classe vite fait et bien fait comme on dit. Donc, AG40 avec un bon petit viseur laser, voilà, pour le corps à corps, parce que c'est vrai, comme je reviens de Black Ops, de World War 2 sur Black Ops 3, bah forcément le shoot ne sera pas au rendez-vous. Et ensuite, une petite poignée, parce que je trouve qu'elle bouge un peu, donc là, elle risque de plus bouger, avec bien évidemment surcadençage, masque tactique, pillard et main leste. Et on va tout de suite se retrouver avec le live, et comme je te dis en chaque début de vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, et d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, et défonce-moi cette barre de like si cette vidéo t'a plu. Je vous laisse tout de suite avec le live. Yup, donc je viens d'arriver dans une game. Wow. Enfin, ça serait déjà pas mal. T'es où, petit PD? Let's go. On commence fort, on vient d'arriver. Non mais franchement, ils sont pas très bons. Y'a moyen de faire un petit truc si je me concentre. Ok, on l'a eu. Oh 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 oh. Tue-le. Ok, il est mort. C'est vrai que vraiment, le petit tir rapide, ça va faire grave la diff. Ok. Non! Mais, les alliés? Les alliés? Ok, toi tu meurs. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Ok. Non, dommage. Bon, là ça va déjà mieux. Là ça va déjà mieux. On commence à prendre en main l'arme et tout, etc. C'est déjà pas mal. Ok. Toi tu meurs. Bouge l'allié, tu m'énerves. Wow, frère, calme-toi. Ok, toi t'es mort. Toi t'es mort. Ok, noyau. Je crois que là on est bok. Ouais, bon, par contre, pour le shoot à la faux, l'Octed. Rendez-vous 16h pour le shoot, hein. Ok, on est bok. On est bok. Ok, on est chaud. On a de nouveau tout. Ok, on a le hitter. En train de perdre B. On est en implacable, gros. Ah, dommage. On a encore le noyau. Ok, il y en a un, il est grave one. Non, les alliés, vous êtes fait avoir là, comme des cons. Wow. En plus, il y a l'autre qui commence un peu à me casser les couilles avec sa dingo. Ok. Et vous êtes où? Vous êtes où, les frères? Oh, tu es peut-être mort. Tout était là. Il y en a au fond du spawn. On l'a eu. Let's go. Est-ce qu'on a encore besoin du noyau? Non, pour l'instant, il est encore actif. On a de la chance. Ok, t'es mort.
On va faire attention quand même. Viens ici. Non. Ok. On va quand même essayer d'assurer sa petite nuque. Hein. Viens ici. Viens, viens, viens. Vers tonton Locked. Et nucléaire, nucléaire en live. Let's go. Bah c'est trop facile. Je vous ai dit, la G40 elle était trop up. Elle est vraiment bien. Peut-être un petit rapide comme je l'ai dit en début de vidéo. Vidéo, d'accord. Ceci est... Veuillez m'excuser, ceci est les aléas du live. Mais franchement, regardez-moi ça. Ah dommage, dommage. Regarde, 50 à 7 avec la G40. Et à l'époque c'était impossible de faire ça hein. C'était impossible les potos. Ah je vous jure, la G40 c'est devenu une dinguerie gros. C'est devenu une dinguerie. Non, non, non. Calme-toi frère. Merci. Olé. Allez, 52-7, ma première game de la journée avec 18 défenses, 3 captures, la victoire et en plus la nucléaire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, l'arme est grave kiffante, je vous recommande de jouer avec. Elle est magnifique cette AG40 et je vous la recommande. C'était le peut-être tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à défoncer cette barre de like et me dire qu'est-ce que t'en as pensé de cette vidéo dans l'espace des commentaires. Ciao, ciao tout le monde.